Bonjour à vous tous qui suivez ou découvrez le concept de code mu dans ce troisième épisode. Tu penses que beaucoup nous suivent déjà? Ça va venir, au fur et à mesure, et puis je pense que bientôt on pourra créer l'école de mu avec notre propre idéologie. Notre propre idéologie, t'as dit. Avec nos propres règles, nos propres bases, établies sur un fondement précis. Tu dis vague. Non. Là, tu vois, c'est ta manière de voir les choses. Le mot qui modélise, paradigme. Est-ce que le mot paradigme, ça vous évoque quelque chose? La définition exacte... Figure de style peut-être. Non mais ça c'est un truc de français encore. T'es proche de paradoxe. Déjà. Moi ça me fait penser à paradoxe. Comme paradoxe et compagnie, un paradigme. Quelque chose de contraire à une loi, à une idée. À... Para, ouais, deux trucs à côté. À côté de. Je sais que j'ai entendu dans mes cours de nombreuses reprises le terme paradigmatique, que je trouvais ça plutôt amusant, mais que finalement j'ai jamais vraiment compris. Un symbole peut-être Deux univers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Du coup, on peut faire des jeux de mots avec paradis, ouais, non. Si, on peut aussi dire que c'est un mec qui sait pas très bien parler et qui essaie de dire le mot paradis aussi. On peut dire que le paradis, pas un truc comme ça, tu vois. Miguel Roberto Luiz da Silva, aussi souvent surnommé la tête d'or du Nouveau Monde, a accepté de nous dire quelques mots. Si, je sais que notre équipe n'est pas la plus connue, n'est pas la meilleure, mais pour moi c'est un honneur d'être dans cette équipe du paradigme. Tout l'aspect communautaire, on est très soudés, c'est un honneur. Malheureusement, Miguel restera dans son pays pour cette Coupe du Monde 2014. Selon son sélectionneur, cette technique de jeu qui ne fait appel qu'à l'utilisation de sa tête n'a pas encore fait ses preuves à un tel niveau. Si, je pense que le monde du football n'est pas encore prêt pour ce type de jeu, mais peut-être bientôt on aura un nouveau sport qui s'appellera plus le football mais qu'on appellera le headball, la cabeça ball, et ça créera de nouvelles facettes du football, une nouvelle équipe, un nouveau paradigme. Waouh! Le pire, c'est que c'est presque en plein dans le mille. Sauf que paradigme n'a absolument rien à voir avec un pays. Parce que monsieur est doué en géographie maintenant. Je connais le Paraguay. Et d'autres pays paradisiaques. Bien joué. Quoi, j'ai pas compris ce qu'il a dit là. Paraguay. Paraguay. Paradigme. Mais paradigme, le mot, l'une de ses définitions premières est assez proche de ce qu'on vient de voir. Ok, c'est parti. L'étymologie du mot paradigme nous renseigne sur sa signification. Il provient du grec paradigma, qui veut dire modèle ou exemple. Dans son sens le plus courant, on pourrait dire qu'il s'agit d'une manière de voir le monde. Et que de cette manière de voir le monde découle un groupe de personnes dont les idées sont semblables ou alors dont les valeurs se rapprochent. Tu devrais peut-être donner un exemple là? Ben oui, mais on peut en donner plusieurs parce qu'on peut l'assimiler à beaucoup de domaines, à tous les domaines en fait quasiment. Ben dans le cas de Miguel par exemple, et du domaine footballistique, on pourrait parler du paradigme du jeu de tête exclusif. Expulsif, explosif! Puisque c'est une nouvelle manière de jouer et de concevoir le foot. Bien que ce soit un truc quand même très particulier. Dans le domaine de la science, on pourrait parler des premiers hommes qui ont pensé que la Terre était ronde. Ou des premiers à croire en l'atome. Et donc là on parlerait du paradigme de l'atome. Ou alors du paradigme des atomistes. Mais les atomistes, ce sera plutôt la communauté qui représente les gens qui adhèrent au paradigme de l'atome. Vous me suivez? Ou alors, faut que je me casse, peut-être. En informatique, ça va peut-être vous parler un peu plus, on peut parler des réseaux sociaux, par exemple. Que ce soit Facebook, Twitter, etc. C'est un paradigme, c'est une nouvelle manière de concevoir le partage, la communication, au travers des réseaux sociaux, tout simplement. Ou par exemple le cloud, qui permet de stocker des informations ou des documents à distance via des serveurs, le partage de fichiers, le partage d'informations et de documents. Et c'est un nouveau paradigme des temps modernes. En religion maintenant, voilà, en religion. Si maintenant un nouveau prophète venait et qui s'autoproclamait la réincarnation de la chaussette moldave perdue qui est régénératrice des sens de perception du cosmos, ben on parlerait du paradigme de Van Damme.
Du coup, le paradigme nous permet de nous différencier dans notre perception du monde. Il nous permet à la fois de nous distinguer dans nos valeurs scientifiques, morales, artistiques, en informatique, en sociologie, bref, dans tout, mais aussi de nous unir autour de pensées communes. Créant ainsi des groupes extraordinaires, unis, soudés, communautaires, des sectes. Comme la future école de Mu. Tu pourras y enseigner le mutisme et surtout le pratiquer. Merci, au revoir. Ben quoi, tu dis bien à la fin des épisodes qu'il faut se la fermer, non? Le plus drôle, c'est que tu as un peu raison, puisque les mots mutisme et muet sont issus du mot mu en dehors du mot mot. Sont issus du mot mu en dehors du mot mot. Ce qui corrobore en plus avec une autre définition du mot paradigme. Paradigme désigne également l'ensemble des variations d'un mot qui sert de modèle. Tiens, ça me fait penser à quelque chose qu'on a vu, mais juste avant. Et donc, tout simplement, les déclinaisons de noms ou les conjugaisons de verbes sont des paradigmes, tout simplement. Donc, si je prends le mot tarte, tartelette, tartine, tartiflette, tarte flambée... Tarte plongeante. Ouais, tout ça, c'est un paradigme. Oh là là, non, trop d'explications, là. J'ai mal à la tête. Ouais, je crois qu'il est temps d'appliquer la nouvelle doctrine de l'école de Mu. On pourrait pas paradigmer plus court les épisodes sur les prochaines fois? Petite information, j'ai un compte Twitter et pour l'instant, au jour de la sortie de la vidéo, de cette vidéo, j'ai qu'un seul abonné. Du coup, je vous invite aussi à me suivre un petit peu sur Twitter, je mets des petits trucs sympas des fois. Et si vous traînez un petit peu sur Facebook, n'hésitez pas aussi à suivre la page parce que des fois, je mets des petites infos insolites, un peu amusantes sur les mots, etc. Des trucs un peu sympas. Merci à vous tous qui suivez Code Mu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les dernières vidéos, les derniers épisodes. N'hésitez pas à partager autour de vous Code Mu. Si ça vous plaît ou même si ça vous plaît pas. J'en profite aussi pour remercier Bruce Benamran de y penser qui m'a permis d'avoir beaucoup de gens qui ont découvert Code Mu. Merci aussi à Nils Agnas de Next Impact pour avoir partagé la vidéo sur les liens idiots du dimanche. Merci beaucoup. Tarte plongeante. Du momo sans tissu, du momu, en dehors du momo. Head the ball, head the ball. Cabeça bol.